Affrontement entre manifestants pro-palestiniens et pro-israéliens sur le campus de l'université à Los Angeles. Les violences ont commencé peu de temps après que l'établissement ait jugé le camp solidaire avec la population de Gaza illégale. Des bagarres ont éclaté entre les groupes opposés, certains armés de barres de fer et de gaz lacrymogène. 15 personnes ont été blessées, dont une plus grièvement qui a été emmenée dans une ambulance. Malgré les troubles, la présence policière s'est faite assez discrète et aucune arrestation n'a été signalée. Dans un communiqué, l'université a déclaré qu'en raison des violences survenues, une partie des cours serait annulée jusqu'en fin de semaine. L'université de Los Angeles n'est pas la seule dans le pays à être bloquée. À New York, l'université de Columbia, mais aussi à Chicago et dans une dizaine d'autres, cette colère se propage comme une traînée de poudre.